Nous sommes dans les stands du NSC, Team X-Ray. Alors c'est la GTX 8, version 2019. C'est ça là, la 2019. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Là on a deux Power HD. À la direction et au gaz frein. On a un beau SGT là. Ça doit marcher grave ça. Voilà les tourelles de l'amortisseur en carbone. Au niveau du setup là, Gilles, ça donne quoi au niveau des différentiels avant arrière? Là c'est 300 000 et 10 000. 300 000 à l'avant, 10 000 à l'arrière. C'est pour un test. Normalement je suis en 1 million et 50 000. Et au niveau des huiles d'amortisseur? Là aussi c'est un test, c'est du 600. D'habitude je suis en 600, 600 au carré. 600 là c'est marqué carré. Dessus, ouais, ouais. Je peux pas te tromper. D'habitude c'est cool. 1000. Le setup de base c'est 1000. Alors là Guillaume, sur ce modèle? Alors sur ce modèle on a un moteur Nova Rossi, un Mito 9, 9 transferts. Bah on le finit hein, cette année puisque l'année prochaine il sera plus légal, il faudra 5 transferts. On a des servos Savox hein, en montage boîte avec support amortisseur, des petites options avec les freins plaquettes ferrodo et les freins ajourés pour ventiler, quoi. Ventiler, mieux fonctionner quand ça continue à chauffer. Voilà, les palonniers sont pas de série non plus, c'est palonnier sismique, hein, montage alu. Alors en setup, j'ai du 1 million à l'avant, du 50 000 à l'arrière pour favoriser vraiment la motricité et c'est plutôt pas mal. Pour la piste du NSC, on a remonté les fixations des amortisseurs en position haute, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. On a rapproché également, puisque normalement c'est un petit peu plus assis et ça nous donne une meilleure stabilité. Ça se rapproche d'une vraie voiture quoi en fait, c'est bien droit. C'est bien droit. Alors qu'en fait, en rallye M à la base, on partait, c'était complètement couché, avec voilà. Des extenseurs même dans les jantes. Et maintenant, en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, ça se redresse et ça marche de plus en plus fort d'ailleurs. Alors, ça se redresse pour que justement l'amortisseur puisse encaisser tous les chocs, parce que plus il est en position couchée, moins il va agir et surtout ça va faire un train avant qui va être extrêmement pâteau. Donc là, on a mis pas mal de drop, comme on peut le voir là. Le châssis se balance bien, absorbe bien. En huile, c'est du 1000. C'est le montage boîte. Donc on est sur quand même quelque chose de rigide, mais on va faire en sorte que le châssis accepte bien les accélérations. Voilà. Et c'est cool. Continue de bien coller. Et après pour la piste du NSC, comme il y a beaucoup de virages serrés, ben on a augmenté l'angle de chasse. Donc en fait on a un petit peu raccourci légèrement le châssis. On a poussé ça. Et là c'est pareil, on a au lieu d'avoir un empattement long, on l'a un petit peu raccourci de manière à ce que ça soit plus réactif dans les virages serrés. Super, ben, merci pour cette belle présentation. Puis on verra les essais tout à l'heure.